je suis référent sur la Fédération française de canoë-kayak, sur le handi-kayak. Aujourd'hui, Saint-Laurent organise le deuxième raid handi-kayak, le rallye de la vallée de la Scarpe. C'est une animation très intéressante puisqu'elle permet au comité régional handisport, au comité régional sport adapté, de se rapprocher de l'activité canoë-kayak et de faire connaître l'activité à ses membres. Donc cet après-midi, on va voir pas mal de personnes qui vont défiler sur les embarcations que vous pouvez voir sur le côté. Des embarcations sur lesquelles on a travaillé avec un constructeur, le constructeur DAG, pour adapter des dosserets pour permettre aux personnes handicapées physiques de pratiquer l'activité en fait. Voilà. Et c'est complètement la politique de la fédération de développer l'accès aux personnes handicapées au canot et kayak. Donc c'est découverte de l'activité. Et puis c'est un club très bien structuré, avec une base très solide, beaucoup de licenciés qui souhaitent s'ouvrir à tous les publics, et notamment au public handicapé. Donc l'initiative, elle va complètement dans ce sens-là, et c'est quelque chose qui est en cohérence avec le club. Alors, tes impressions ? Ben super, génial, hein. Enfin, comme ça, d'être au bord de l'eau, tout ça, c'est super, quoi. Et par contre, c'est physique, hein. J'étais un peu surpris, hein. Et non, pas mal. Pas des techniques à apprendre, hein, mais bonne expérience. Super. Encadrement ? Super, génial. Bon, avec Mathieu, il n'y a pas de souci, hein.